que tu sais jamais. J'ai jamais vu jouer avec. Quand elle était fière, quand elle est pas. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on va faire All Costco. On va commencer par cette boîte. Ceci, c'est très indispensable. Surtout parce qu'il a plein de petites affaires pour séparer. Surtout quand tu achètes à Costco, c'est vraiment nécessaire. Donc, j'ai acheté ça, puis c'était en 10$ de rabais. Normalement, c'est 100$. Mais cette fois-ci, je l'ai acheté à 89$. Donc, j'attendais pour l'avoir, surtout quand t'es à rabais, c'est meilleur. Donc, c'est ça. On va commencer par tout ça. Dans le fond, ce shampoing, il sent tellement bon. Puis, c'est un des meilleurs. J'ai acheté ça deux fois. Des popcorn, on peut pas les oublier. Les popcorn, c'est pour mon mari. Les meilleures crèmes glacées, évidemment, j'en achète deux. Mon mari et mon fils m'en mangent tout le temps. Donc, on continue par les fruits. Des bananes, toujours indispensables. Surtout, si on en achète deux, on continue. Les shampoings. On va... J'ai pris des prunes. Des limes, des avocats, on continue, des fraises, encore des limes, nous on mange beaucoup, on prend beaucoup de limes. Là, on continue avec le pain. On en prend trois, surtout ces pains-là, parce que pour les enfants, pas beaucoup de sucre, c'est la meilleure chose. Des pains comme ça, c'est les meilleurs. La récolte de Saint Méthode. On a pris ça, mon mari, il les adore. Pour son travail. Ça, surtout pour le air fryer, le Ninja, parfait. On continue avec les amandes. Les yogourts nano pour l'école. Là, on va continuer avec les viandes froides. Du poulet. Le tilapia. Ça, je ne l'ai jamais essayé. C'est la première fois que je l'essaye. Puis, j'espère que ça va être bon. La bavette. Vous devez vraiment utiliser quelque chose pour la bavette. C'est la croque-pot pour faire une bavette délicieuse. Le steak barbecue. Ça, c'est surtout, évidemment, pour faire des ragoûts. Oups, ça l'a coulé un peu. On continue dans les vêtements. Pour mon garçon, des boxers sont vraiment, vraiment utiles. Pas cher. Ça,
Ça, je l'ai adoré. C'est vraiment bon. Puis c'est chaud pour les enfants, pour garçons. Celui-là, je l'ai trouvé bon. Surtout doux, relax. Quand tu as envie de relaxer chez toi. Avec un jogging. De la même. Du même ensemble. C'est doux. On est rendu avec les chaussettes. Puis moi, toujours utile. Surtout quand tu as besoin de beaucoup de bas. Là, on s'en vient avec le deuxième sac. Des patates jaunes. La salade romaine. On va commencer à essayer de manger beaucoup de salade. Ce que j'ai trouvé au Costco, c'est vraiment bon pour les enfants. C'est comme deux biscuits dans un petit sac. C'est comme, je vais essayer avec mon fils voir s'il aime ça parce que les Oreos, c'est pas quelque chose qu'il mange tout le temps. On a pris des concombres pour les salades. Ça, c'est un nouveau produit que je vais commencer à essayer. C'est de l'avoine. J'ai vu ça dans les Whole Costco, puis ça m'a vraiment intéressée. Donc, à essayer. Un poche de yogourt Iogo. Encore des bananes. Ça, je vais l'essayer. J'en avais déjà acheté cette marque-là. C'était pas cette marque-là, c'était une autre. Mais on va essayer celle-là, voir si c'est bon. On a pris un nouveau café. On prend pas celui-là normalement, on prend du Nescafé. Celle-là, c'est la marque Clan. On va voir si c'est bon. C'est pour mon mari, pour son travail. Des oignons rouges. Les meilleures tomates. Ça, c'est une petite affaire que mon mari a voulu. Les taquitos, c'est les meilleurs. Sans oublier le food saver, c'est le meilleur à cause que j'ai pour faire les sous-vides. C'est vraiment bon. Je sais qu'il y a du monde qui utilise vraiment les Ziplocs, mais je trouve que les Ziplocs, ça ne dure pas aussi longtemps que les faire sous-vide. Le sous-vide, ça te dure vraiment, mais vraiment, mais vraiment beaucoup. Les viandes, les poissons, même si tu fais des repas puis tu veux les congeler qui sont déjà marinés, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment bon. Donc, un conseil, c'est mieux les avoir sous-vide. Donc, on continue. Des clémentines. On en prend deux fois. Mon mari a peur de clémentines. J'ai décidé de prendre un cahier surtout pour mon fils parce qu'il a commencé l'école. Évidemment, l'école, on va apprendre beaucoup. Donc, cette année, français, mathématiques, anglais, sciences, univers social. Puis, je trouve que c'est vraiment, vraiment bon. C'est approuvé pour le programme du ministère de l'Éducation. Donc, c'est évidemment parfait. Donc, comme vous pouvez voir dans le livre, il y a la compréhension de lecture, ta mathématiques, les nombres. Donc, c'est vraiment un bon produit. Donc, ceci, tout ça, ça m'a fait un gros total de 847,42 sous. Donc, pour la prochaine fois, de tout ça, je vais faire un autre Costco, évidemment, mais avec les prix, avec les rabais. Il y avait des nouveaux produits qui est dans l'ordre de Whole Costco que j'ai déjà essayé. Donc, c'est ma première vidéo, évidemment, que je ne peux pas vous montrer tous les nouveaux produits que j'ai déjà essayé de autre Whole Costco. Donc, c'est ça pour la prochaine vidéo. Je vais vous amener avec des nouveaux produits. Et j'espère que vous avez vu ma vidéo. Donc, bye bye!